Et il arrive. Petite mise en place. thème du jour. J'ai très envie de me remettre en tête les deux Gunbirds. C'est deux shmups des années 90 qui sont vachement sympas. Et du coup, ben, j'ai très envie de rejouer un peu dedans pour me le remettre dans le crâne et puis pour voir en parler correctement. Parce que là, j'arrive au moment où sur la chaîne YouTube. Il y a des émissions très anciennes, des chroniques très anciennes qui correspondent plus vraiment au ton actuel de la chaîne qui est un petit peu plus propre. Oui, avant c'était quand même du bien fait à l'arrache, hein, ça s'entendait. Donc je vais me permettre de refaire quelques chroniques de manière à ce qu'elles correspondent plus au ton actuel de la chaîne quand j'aurai le temps. et vu que j'ai pas le temps, eh ben, je me détends en jouant un shmup, c'est parfaitement logique. Je vais chercher le soft et on va lancer ça. Mario, merci. Oula, ne t'énerve pas. Oui, c'est un petit peu la panique aujourd'hui avec... Ça arrive. Alors faut vraiment que je rejoue à ce jeu parce que j'en suis au point de ne plus me rappeler comment on joue. Parce que chaque shmup a ses petites particularités quand même. Et du coup bah, je me suis dit, purée Gunbird, je me rappelle plus comment on y joue, il y a 2-3 particularités, il faudrait que je les remette dans le crâne, ce serait bien. Voilà. Donc vous allez assister à l'entraînement qui ne devrait pas manquer d'être lamentable, mais bon, l'intention c'est de se le remettre dans le crâne. Thank you.
Oui, bah, on fera alors des crédits. On va commencer avec Kiki, hein. C'est la plus gentille. Il faut vite que je me remette dans le crâne, c'est d'amener particularité de ce titre. Je crois qu'il y a une fonction avec, avec un tir appuyé, ou une connerie comme ça. Ça commence très mal. Alors j'essaye mes touches désespérément, mais non, que dalle. Faudrait que ça me revienne quand même. Ah, quel idiot. Oh mais quelle nouille! Laisse-moi ramasser mon bonus. Je crois que ça se terminerait jamais. Oh moche. C'est super méchant, les plus sympas que j'ai vu dans un jeu, quoi. T'as pas envie de les taper. Ils sont trop classieux. Ah oui, je non. Oui, je non, c'est une bonne réponse, je trouve. Oui, bon. Ah moi. Ne lâche pas mon bonus dans la nature. Alors Gunbird va pas tarder à être édité normalement. Je crois que c'est sur Switch. La Switch est gâtée comme console niveau shmup. Vous avez vraiment de la veine. Parce que moi j'ai pas cet appareil et franchement, il y a des moments où je me surprends à en avoir vraiment envie. Oui, juste pour les shmups.
Bah, peut-être 2-3 autres jeux aussi quand même. Mais du coup, pour la ressortie, c'est un titre à guetter parce qu'il est toujours super jouable. Quoi. Il n'a pas trop vieilli. Et c'est rudement agréable de se balader dedans parce qu'il est très joli, une. Bah, c'est la période Dreamcast. Hein. Et puis, de surcroît, bah, il est pas si simple. Hein. Aïe aïe aïe, j'ai fait de la bombe. Hop, tu vois. Donc du coup, bah, un petit shmup, s'il le réédite en pas trop cher. De toute façon, je crois qu'il va être édité dans une collection chez l'éditeur. Il va y avoir toute une série de jeux en fait, comme c'est la mode en ce moment, de toute manière. Merde, je peux pas parler en même temps, c'est trop compliqué. Tu vas te coucher, toi. Non, pas tout de suite. Ok, oulala. Oulala. Non, j'ai rien dit. Monsieur, je retiens. Et donc ouais, il va y avoir des packs de jeux, je sais plus chez qui vont être édités. Il y a deux packs qui arrivent, qui sont fortement bien garnis en shmup, justement. Et ça va être super génial. Possesseur de Switch, je vous jalouse intensément. C'est pas fini. Aïe, aïe, aïe. Il y a des réflexes encore, papy, ça va. Bon, je croyais que je m'en rappellerais moins bien que ça, oui, qu'il était plus compliqué. Je crois que c'est le 2 où il y a des fins dans le gameplay. Je me rappelais pas que le premier était si simple. Pas si simple, c'est une lutte d'esprit. Hein. Oh purée, c'est la hitbox, c'est le seul défaut de ce titre. Sa hitbox est un poil grande quoi. Du coup il y a des moments où on croit que ça passe et. Non, ça ne passe définitivement pas quoi. Ces super bats sont terribles. On devrait pouvoir jouer avec eux dans le jeu, ce serait trop rigolo. Avoir leur vaisseau. Aïe 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 aïe. Ouais, ouais, j'ai essayé de le passer celui-là, mais. Un petit peu de place, s'il vous plaît, merci. Aïe 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 aïe. Il est très généreux en tir croisé ce titre. Oh, et le bonus qui me tourne autour. Saleté. Je suis vénère. Il faut que je récupère ça les gars. Ah purée de purée de purée de purée de purée de purée. Laisse-moi des bonus, laisse-moi en prendre un au moins. Un crédit pour rien, je suis dégoûté. Oh purée. Alors je crois que c'est à partir de là que ça devient moins drôle. Le jeu va commencer à dire « C'est moi le boss ». Et normalement, je vais commencer à bouffer du crédit en série.
arrêtez de rebondir, couillon de bonus. C'est insupportable. C'est un peu fait exprès aussi, il faut dire. Hop, purée, ça va pas très très bien se passer. Oh que non. Du bel. On nettoie un petit peu là, c'est un peu... Oui, c'est sale sur le pare-brise. Aïe, 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 aïe. Il n'y a rien que récupérer les bonus, c'est un calvaire. Aïe, 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 aïe. 3 contre 1, c'est pas très fair play ça les gars, c'est pas très fair play, je vous le dis moi. Oui, moi j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Ah, la grosse gueule là. J'ai pas eu le temps d'appuyer sur la pompe. Hop, pardon, je récupère juste un petit truc. Hop, vous en aurez pas besoin, vous les gars. Hop, pour les bonus, c'est quand même. J'avais plus besoin de vous que moi. Je peux ramasser mes bonus? Je peux ramasser mes bonus avant que tu me tires dessus, s'il te plaît. Merci. T'es cool. Bah non. Non, je retire, t'es pas cool. Je vais avoir un problème pour récupérer mes bonus, je le sens bien. Ah oh, purée non. Non. Qu'est-ce qu'il est méchant lui. Non. Non, 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 non. J'ai compris. Chaud, chaud, va falloir le travailler lui. Surtout ne ramasse pas ta bombe, idiote. Bon, j'ai les deux derniers tableaux à me remettre dans la tête surtout. Oh, ça pardonne pas. Ah oui, 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 ça pardonne pas. Il y a intérêt à les rôder un peu cela. Genre, il faudrait éradiquer absolument tout ce qu'il y a sur l'écran, quoi. Ne rien laisser. Aïe, ça tire à une vitesse. J'avais prévenu, hein, les crédits, ça va passer vite maintenant. Non, j'ose pas monter, chercher des bonus, c'est pas la peine. J'ai trop les foies là, je sens que je vais me faire allumer à bout portant par ces Olibrius qui ne sont pas très sympathiques au demeurant. Je voulais bomber et passer en force pour récupérer du bonus, voilà ce qui m'est arrivé. Carnage. En force. C'était très sale, mais qu'est-ce que j'avais comme autre choix? Aïe! Bah oui, j'avais vu venir et je savais plus où passer du coup. Not from where? From behind, les gars. Non, non, je n'accepte pas ça. Il va, le gars, il va. Ah, purée! Et c'est là que je vais danser comme un pied tendre. Danse, pied tendre, danse! Je vais me prendre une fête. Et ben oui, là, c'était bien la peine de récupérer les bonus pour crever tout de suite. Aïe, 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 aïe. Lucam, Lucam, je récupère juste ce qui m'appartient. Sois sympa, laisse-moi récupérer ce qui m'appartient. J'ai qu'un petit tir. Et j'ai plus de bombe. Oui, c'est rien du tout. Je crois que la fin c'est 3 sphères qui vont me faire un enfer. Ah, la vitesse. Oui, non, mais non, mais non, mais non, mais je suis obligé de bouger tout le temps, quoi. Purée. Il y a un sale coup qui se prépare. Ah non. C'est à chaque fois les bonus. Tu veux des bonus? Non, t'auras pas de bonus. Jamais.
Tu les veux? Non, tu les auras pas. Comment ça? Jamais. Et là? Toujours pas. Ok. Je suis en train de me prendre une dérouillée, mais... monstrueuse. Pas fini, pas fini. Bah oui, c'est les derniers tableaux. Les gars... oh putain! Il compte pas vous laisser passer comme ça, quoi. Donne plus d'argent. Je suis fauché. Non, 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 non. Calme-toi, Johnny. Tiens, deux bombes d'affilée, hein, déjà. Ah, ah. Je souffre. Ça va beaucoup trop vite. J'essaie de trouver un truc où je peux faire des mouvements moins grands. Pour prendre moins de risques, mais c'est pas gagné, quoi. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Je me rappelle d'une fin apocalyptique qui... bah, je me rappelle pour ça, hein, c'est qu'elle était vraiment cauchemardesque. Alors je pense que vu la portée de mes petites étoiles là, qui marche bien d'ailleurs, j'ai intérêt à me tenir plutôt au milieu ou voire même un peu en haut du tableau si je peux. Quoi. Qu'est-ce qu'ils sont méchants. Il est troublant, c'est le démarrage du pattern, il est super troublant. T'as mes bonus. Attends, je te mets une bombe, j'ai besoin de ces bonus. Toi, tu n'en as pas besoin. Regarde comme t'es gros. Tu prends tous les cons, nom de Dieu. Oh, des fois, j'ai l'impression que mon vaisseau se traîne. Ce grand moment de solitude. Aïe aïe aïe, il est violent, il est violent. La vitesse, elle est monstre. Pas fini. Pas fini. Ah non, ça c'est... c'était le valet. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus sérieux. Est-ce que c'est les Bobbles? Je m'en rappelle plus. Alors, le petit miroir, hein. Ouais, ça doit être ça. Faut vraiment y aller au... donne-moi ça, j'en ai besoin. Saleté de lapin mutant. Je rigole, mais il va me faire danser. Lui. À plusieurs contre un, hein. C'est pas très juste ça. Quoi, j'avais plus de bombe? Alors j'ai l'impression qu'il y a un léger délai quand j'envoie ma bombe, je sais pas si c'est moi ou quoi. Aïe 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 aïe, panique. Non, t'as une sacrée ramanance, l'oiseau, là-bas. Il va me mettre le bronx jusqu'à ce qu'il soit totalement parti de l'écran. Crève. Oui, c'était un petit peu pas très fair-play, mais... l'était-il? Je pose la question.
Alors, est-ce que j'ai loupé là ou est-ce que c'est encore un tableau? Non, c'est encore un tableau, me semble. Je crois pas. Non, j'ai peut-être loupé, je sais pas. Ça devient piquant là. Oh là là! Oui, non, j'ai loupé le jeu là. Alors, ce qu'on va faire, on va aller jusqu'au game over, puis on va lancer le 2. Au moins, celui-là, je sais qu'il y a les 3 tableaux qu'il faut que je me mette un peu dans le crâne, parce que c'est moche sinon. Ah! Ah, bah oui, il y a les petites boulettes suicides maintenant, c'est beaucoup plus drôle. Bon, on va passer ça. Sweep. Allez, enchaînement sur Gunbird 2. Nom de Zeus, mais ça m'a fait plaisir de le relancer du coup, parce que oui, j'avais totalement oublié ce jeu, quoi. C'est à force d'en chroniquer un petit peu trop, je crois. Et du coup, ben, ça fait des surprises des fois. Est-ce qu'il va y avoir le fail de démarrage? Normalement, oui. Parce que. Oh, purée, non! C'est incroyable. Ah, c'est bloqué. Je suis bloqué. Est-ce que quelqu'un peut descendre pousser dans le chat? Ce serait sympa. Il n'y en a pas pour long, faut juste pousser un peu. Voilà, merci. Alors on va essayer de regarder la démo, voir les différences. Mais je crois qu'il y a eu une petite différence, ouais, de tir chargé, il me semble, entre le premier et le deuxième. Je sais plus si j'affabule total ou pas. D'où l'intérêt d'y rejouer. Qu'est-ce qu'il est beau ce jeu! Alors lui, il paye pas de mine, mais je crois vraiment rappeler qu'il est assez costaud quand même. Fais-nous une démo, Coco. En bas, j'ai différents niveaux avec une jauge. Ça me dit rien. J'arrive pas à me le remettre en tête. On voit que les patterns vont être vachement plus simples. Oh, je pourrais me prendre le Alucard là, il est sympa quand même. En fait, tout va dépendre de la vitesse de déplacement. Bon, c'est pas grave, faut que je prenne un long de préférence, ça ira mieux avec moi. Oui, on gave en crédit encore. Alors, vous avez le son? Ouais, je vais vous le remonter d'ailleurs. Bah, le temps que ça décide. Hein. Hop, c'est fait. Vous devriez avoir le son correct. Si c'est pas assez, vous criez comme d'hab, il n'y a pas de souci. Ah je me manque les retours après le premier boss. Moi j'entends rien. Ouais, il y a un tir chargé, c'est bien ça. Ça va avec sa tête. Le tir chargé, ça va mieux pour moi. Oh purée. Et la hitbox a été rétrécie, ça c'est bien aussi. Une raison pour me jeter sous les boulettes de joie, quoi. Ouais, j'étais content, je me suis mis sous les tirs. Je trouvais ça sympa. T'as une tempête de bonbons. Vite, le son, le son, le son. Ouais, c'est important le son, hein, je crois. Aïe, 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 aïe. Ça va déjà être ma fête dès le démarrage, quoi. Parce que lui, il est large, et puis il n'est pas aussi long que ce que son imagine, quoi. On se dit, ouais, c'est un gros, il est long. Non, non, non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, le gars.
s'est mieux passé que prévu. Ah non, c'est pas fini, ok. Ah oui, les robots sont fantastiques dans ce jeu. Il y a un design qui est génial. J'ai eu du bol. C'est mon jour de faudrait que je joue au jeu de hasard. Oui, Monsieur K ne joue pas au jeu de hasard. C'est comme une religion. Et je trouve ça d'une telle stupidité que je refuse de m'y abaisser. Quoi. Faudrait que ce soit des shmups, qu'il y a un peu de skill dedans quand même, ce serait pas mal. Tu veux crever, toi? Ah, il y a une navire à bout portant. La récompense pour le risque, c'est nul. Je voudrais bien du pow, je voulais bien du pow, mais beaucoup, beaucoup de pow. Et ramasse ce pow au lieu de te barrer au fond de l'écran, espèce de couillon de... Alors, c'est rigolo parce que dans le gameplay, et c'est pour ça que j'y ai rejoué aussi, j'avais envie d'y rejouer, c'est qu'il me rappelle un peu Vazara. Parce qu'il y a une façon de monter un petit peu, aller chercher la tatane, et puis vite se replier comme un lâche, que je leur trouve comme une. Ah bah, et à un moment ça passait plus, madame. Bonjour, hop là. La petite bombasse de d'un trou pour se présenter, c'est toujours important. Ah, putain, on se met où? Oui, j'ai bien fait de le relancer, je me rappelle plus du tout de ces patterns de ouf. Qu'est-ce qu'ils sont beaux ces trucs, bordel. Bien, non, mais et ben voilà, bien. Donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, il en a pas besoin. Ah, purée. Mais arrête-toi deux secondes! Pas évident d'approcher le lascar et de lui mettre ce qu'il doit prendre dans la figure. Je pense qu'à partir du troisième tableau, ça va être un authentique carnage, quoi. Parce que là, on est encore en mode échauffement. Et c'est déjà bien. Alors ça, c'est un des petits défauts du jeu, c'est que quand on crève, pour se remettre dedans, on n'a pas trop le temps et il y a des moments où on perd la concentration et on n'arrive pas à revenir, quoi. Je voulais passer, mais je trouvais pas le moment. On débarre. Hop, 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 hop. Alors ça, sur le deuxième loop, ça doit être mortel. Juste le passage des petites capsules comme ça, qui sont pas très méchantes. Et voilà, nos vedettes. C'était laid. Mais que c'était laid. Non. Tu ne fais pas ça. Il y a MC Hammer qui fait de l'accordéon en diagonale. Non, non plus. Moi, je suis pas d'accord. Ce design de ouf. Alors, je me demande si les designers, il n'y en a pas qui ont bossé sur... comment il s'appelle ce titre avec plein de bonbons et de robots des années 50 en guise de boss.
que j'adore, Mushi Mushi Pork. C'est fort probable parce que la pâte graphique, elle est vraiment similaire, quoi. J'ai pas trop le temps de l'avoir, faut dire. Mais très honnêtement, oui. Moi, je pense que l'équipe graphique, c'est des gens qui sont pas étrangers à d'autres chemins. Et probablement Mushi Mushi Pork, ouais. Qui est d'une difficulté assez bizarre. C'est une manière de jouer qui est particulière, on va dire. Mais pourquoi je me mets dessus, nom de Zeus? L'hésitation. Je passe pas là, monsieur. Ça pique, hein. Oh, ça va piquer encore plus là. C'est quoi ce pattern? Ça devrait être interdit par la SPA. Oh, qu'il est beau celui-là. Mortel, mais beau. Comment tu je suis ces tuyaux de boulettes là? J'osais plus relâcher mon bouton de tir. Laisse-moi me remettre dedans, Coco. Non, pas le laser de la mort. Non. Celui-là, il doit falloir le rôder un petit peu ce pattern pour arriver à passer dedans tranquille. Tu arrêtes. Tu n'es pas aimable. Je vais tout dire à ta mère. Oh le méchant, j'ai lâché un bonus sans le prendre, quelle horreur. Bienvenue dans l'enfer choupi. C'est mignon, hein. D'ailleurs, comme c'est méchant. Déjà, et d'une, hein, ça commence. Pff, hop, 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 trois mécas comme ça, t'es mort. T'es mort, gars. T'es obligé de passer plusieurs bombes d'affilée. Ouais, je sentais un truc pas terrible qui arrivait. Mais vraiment pas terrible, quoi. Du genre... pas terrible Rex. Ce pattern d'enflure. Non, tu ne fais pas ça. Je ne peux pas le comprendre, ton pattern. Faut que je regarde un super play, là. Je comprends rien. J'étais en train de réfléchir, j'ai pas eu le temps. Il est vraiment très vif, très vif. Alors des boulettes qui vont vite, puis qui ralentissent, puis qui se remettent à accélérer avec des trucs comme ça. Non mais c'est pas possible. Je ne peux pas, monsieur, même avec de la bonne volonté.
je me fais démonter. Ramasse les bonus, andouille. Et là, ça va être carrément très très laid, je crois. Non mais j'ai besoin de bonus, les amis, pour avancer, c'est pas possible, là, comme ça. Alors, ce qui est rigolo, c'est que ces plantes, c'est le... Je me rappelle plus le nom, mais c'est le nom d'un shmup. Il y a un shmup qui existe qui porte le nom de ces plantes. C'est les plus grosses plantes de la planète. Je sais plus comment elles s'appellent. Des Rafflesia, ça y est. À réfléchir, ça m'aide pas à jouer en tout cas. Des Rafflesia, c'est ce qu'il y a au sol. Et pour la petite anecdote, la Rafflesia, bah c'est impressionnant, hein, ça fait juste 1 mètre. Je ferais mieux de jouer, moi, de faire des cours de botanique. Mais elles font juste 1 mètre, donc je vais finir ma putain de phrase. Et en fait, tout le monde hallucine, tout le monde fait des photos à côté d'une Rafflesia. Mais il faut savoir que c'est une des plantes qui pue le plus aussi sur la planète. Elle sent littéralement la merde. Et ça, les gens sur les photos, bah, ils se forcent à sourire, on voit pas trop. Mais je vous garantis que moi, j'irai pas faire une pause à côté d'une Rafflesia, c'est clair. Ce fut chaud. Ah, voilà la fin infernale. Oh merde. Vous voulez que je vous donne encore des détails sur la Rafflesia? Ça m'aide à jouer apparemment. Oh, 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 oh. Ils sont vénères. Ils sont furieux. C'est l'enfer. Je voudrais bien que ça s'arrête un jour. Ça pique là. C'est pas compliqué mais... Que c'est beau. Je vais dire que ça. J'ai dit que ça depuis le début du truc. Mais franchement, ce pixel art là, vous avez vu ça souvent? C'est un truc de dingue. Peut-être doit y avoir un gauche-droite à faire sur un des côtés. Ça doit être ça la feinte. Et là, je veux pas savoir. Tiens, dans ta gueule. Hop, 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 mes bonus. Je vais chercher mes bonus, je m'en vais, promis. Je reviens plus. Laisse-moi mes bonus. T'as vu le tir que j'ai? Tu peux pas jouer contre un humain qui a un tir comme ça, c'est pas juste, c'est pas normal. Oui, bah là, c'est méga bonbonnage. Hein. Mais c'est pas fini. Eh non. Oh, alors, il devrait les sortir en figurine, ces petits mechas, ils sont magnifiques. Oh, les lasers, les lasers. Je m'en rappelais plus de ça. Regardez bien la vitesse des lasers. Il faut que je passe à un moment donné. Il y a un moment, il faut faire un gauche-droite et... Tu te calmes. Bon. Qui est en train d'agoniser là, tellement je le tire sur la gueule. C'est le rire d'hystérise. Avoir une pause, j'ai mes clés qui... Mais oui, mes clés toujours. Et alors lui, mais alors lui. Allez voir un super play pour voir comment on le passe. Parce que... C'est le début, ça va bien. Ça va pas durer. Oh, purée, je me mets dessous. Ça va être beaucoup plus simple maintenant, regarde.
j'ai pas eu le temps de relâcher que vite. Non. Ils sont rapides, les petits couloirs à remonter. Il y a les petits couloirs à remonter et ceux où il faut pas bouger. Et je les connais pas du tout. Ce n'était pas fair play, ce n'était pas beau. Regardez, un super play pour ça. Alors du coup, moi je croyais que c'était la fin, mais... Il y a réellement les trois boules à la fin que je m'en rappelais. Non, j'espère pas. J'arrive pas à revenir à gauche. On va dégager tout ça. Ah si, je vais y avoir droit. Ah si, je vais y avoir droit. Ça va être de la torture. La traîtresse. Non. Laisse-moi rabaisser ça. Oh, purée. C'est pas fini. Il a l'air sympa lui tout à l'heure. L'éléphant tueur. Voilà, je me rappelle plus exactement ce que c'était la saloperie à la fin, mais c'est lui la saloperie. Comprenez maintenant pourquoi les éléphants sont en voie de disparition. Tous les joueurs de Gunbird les détestent. Même les grenouilles, mais c'est pas en voie de disparition les grenouilles. Regarde, trop tôt. Je crois que c'est toujours pas fini. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a, bah, il y a un scénario pour chaque personnage qu'on peut choisir. Et du coup, les fins sont pas les mêmes. Et après, à la fin, en plus, vous avez l'option de choisir ce que vous décidez. Je peux revenir un peu, moi. Comme ça, Rose. Donc ça, c'est le deuxième loop. Moi, game over, j'arrête. Hein. J'ai assez mal, là. Je vais me faire un jeu super calme, super gentil, après. Je me demande si je vais pas faire un Scrabble. Un truc dans le genre. Non, non, c'est très très gentil, mais non. Point trop non faux, comme on dit. Oh, en tout cas, j'étais bien content de me remettre ces deux Gunbird en tête. C'est pas pour autant que je les maîtrise. Et en fait, je pense qu'il faut les rôder un peu pour arriver à s'en sortir. Merci d'avoir suivi le stream. On se retrouve sur la chaîne YouTube. Semaine prochaine, c'est la semaine du V. V comme victoire, V comme ce que vous voulez. Et donc, lundi, c'est le dernier chapitre d'Anven avec la critique finale, en plus en bonus. Mardi, c'est Vazara 1. Mercredi, c'est Vazara 2. Jeudi, exceptionnellement, c'est Vazara, le troisième mode de jeu qui est dans le Vazara Collection qui vient juste de ressortir là. Et puis voilà, on aura fait le tour. Et ça devrait être pas mal déjà. Pensez à vous abonner à la chaîne, pensez à la partager autour de vous, parce que j'ai pas encore de vrai réseau, et il y a des gens que ça peut intéresser, je pense. Bon, il y a des gens qui peuvent détester aussi, je les comprends parfaitement. Allez, profitez du dimanche pour rien glander. Ciao.